trouve que déjà, bon, je travaille au niveau du département et puis en étant entraîneur du SUMA, on représente le département actuellement au niveau de la France. On a un championnat national et il est prévu d'aller faire une tournée dans les pays de l'Est. Donc également, on va représenter la ville de Troyes, on va représenter le département puisqu'on est sponsorisé et on a des subventions. Donc je trouvais que c'était logique d'être présent aux ambassadeurs. Je trouve que c'est le fait d'être tous ensemble pour une noble cause, celui de qu'on soit fier de notre département et qu'on le valorise, qu'on le mette vraiment en avant. Les valeurs que vous véhiculez qui correspondent également à notre façon de travailler à Terre et Vigne et notre façon de penser aussi. Et du coup, on s'y retrouve bien et effectivement, le fait de partager, d'échanger ensemble et de faire des choses ensemble est plutôt entraînant et boostant. Pour faire plaisir à Laurent. Parce qu'on essaye de le porter fièrement à chaque fois qu'on va à des grandes réunions et à chaque fois qu'on va à l'étranger, on parle de notre région et de notre département qui est l'Aube. Bah, il faudrait arrêter que l'Aube soit juste vue comme un département dans le nord, voire dans le nord-est, et qu'au moins ils comprennent qu'on est au sud de Paris. Ah, mais nous, on n'arrête pas de se battre quand on nous dit où, enfin, mais même les Parisiens, vous êtes où? On leur dit dans l'Aube, à Troyes, on est juste au sud de chez vous. Bah, pour mettre en avant notre département. On me rapprochait un peu plus du côté local, j'ai l'habitude de travailler de manière un peu plus nationale et je me suis dit, vu que j'ai envie de lancer quelque chose de manière un peu plus locale, ça pourrait être un peu plus intéressant et de pouvoir un peu représenter l'Aube.